Coucou les amis. Bon, alors il y a un petit changement de programme. Mon petit-fils a changé d'avis à la dernière minute. Il a voulu aller manger chez tonton et pas dormir chez mémé. Voilà. Bon, je viens vous faire une petite vidéo parce que ben, l'heure est grave. Hein, l'heure est grave. Voilà. Bon, vous savez que je suis attaquée par une personne depuis quelques mois, qu'on m'a demandé carrément en public hein, de m'éradiquer. Voilà. Une personne a répondu, je m'en occupe à la lune, mais chut. Donc la lune, c'était le 13 janvier. Voilà. Là, on est le 26 janvier et on arrive à la pleine lune. Voilà. Vous savez aussi qu'il y a une personne qui a, comment dire, qui a divulgué des informations hein, par rapport à l'arnaque qu'elle a vécue avec cette personne. Et moi, je ne sais pas trop. Pour moi, le hasard fait bien les choses. Hein, voilà. Nous arrivons à la pleine lune dans 2 jours. Voilà. Et cette personne concernée dans les aveux, voilà, se retrouve aujourd'hui emportée par les pompiers en urgence à l'hôpital. Et c'est pas top. Voilà. Donc, j'ai fait une protection pour cette personne. Alors, je ne vous dis pas le nom parce que, voilà, pour des raisons, mais on vous le dira, ne vous inquiétez pas. Je suis sidérée, d'accord? Donc, écoutez, je viens vous demander votre aide, hein, si vous pourriez allumer une bougie, voilà, prier. Voilà, pour cette personne qui a été hospitalisée aujourd'hui et qui a vécu aussi des malheurs à travers cette personne, franchement, ça serait super, super gentil. Voilà. Elle se retrouve à l'hôpital aujourd'hui alors que, bon, elle avait des problèmes de santé, mais surtout pas celle-là. Voilà. Donc, c'est quand même bizarre. Et ce qui est bizarre chez moi est vraiment bizarre. Voilà. Donc, s'il vous plaît, si vous pouvez, voilà, faire une petite prière hein, pour que cette personne s'en sorte, ça serait juste trop gentil de votre part, d'accord? Parce que, voilà, bizarrement, beaucoup de choses arrivent à la lune. Et dès qu'on ouvre sa bouche, tout arrive à la lune. Attendez, il faut quand même pas non plus nous prendre pour des bébêtes, hein? Donc, ben, déjà, hein, quand on me demande de m'éradiquer, qu'on dit qu'on va s'occuper de moi à la lune, je suis protégée, mes enfants sont protégés, mais c'est quand même un animal qui décède, d'accord? Et quand les personnes ouvrent leur bouche pour expliquer ce qu'ils ont vécu avec certaines personnes, ben là, voilà, les personnes qui n'ont pas des dons, voilà, se retrouve à l'hôpital en urgence avec de graves problèmes, quoi. Bon, il faut non pas non plus prendre les gens pour des abrutis, hein. Voilà. Alors bon, peut-être bien de faire des vidéos au secours, hein. Bon, vous voyez ce que je veux dire? Peut-être que, n'est-ce pas? Bon, je préfère me taire. Mais s'il vous plaît, allumez une bougie pour cette personne, hein, voilà, qui est une femme, qui a témoigné de ce qu'elle a vécu avec cette personne, hein, voilà, et dont elle se retrouve aujourd'hui dans de sales draps. Voilà. Alors, merci à mes abonnés, hein, merci à vous de soutenir cette personne. Oui, et ben déjà, elle a voulu montrer que j'étais pas la seule à être critiquer, à être arnaqué, voilà. Mais bon, voilà. Malheureusement, ça retombe sur cette personne. Donc là, bien sûr que j'ai fait une protection, mais bon, si on pouvait être une équipe pour protéger cette personne, je pense qu'on sera plus fort. Parce que dans l'amour, voilà, on est toujours plus fort. Merci beaucoup à vous. Bonne soirée. Je vous embrasse. Je vous fais de gros, gros bisous.